Lors de la mission Apollo 15 en 1971, l'astronaute Jimmy Irwin aurait observé et filmé un objet inconnu posé près d'un cratère en forme de disque brillant. Est-il possible alors que d'autres civilisations venues d'un autre monde seraient installées sur la Lune à notre insu? Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro d'OTVE. Lors de la mission Apollo 15 en 1971, l'astronaute Jimmy Irwin aurait observé et filmé un objet inconnu posé près d'un cratère en forme de disque brillant et une ombre sur le sol semblait indiquer que l'objet se déplaçait. Peu avant l'alunissage, un dialogue entre Houston et Apollo, prétendument censuré par la NASA, mais capté par des employés de l'agence et des radioamateurs, ferait état d'une rencontre spectaculaire. Selon ces termes, « Ces bébés sont énormes, gigantesques. Oh mon Dieu, vous ne le croiriez pas. Je vous dis qu'il y a un autre vaisseau là dehors, au bord du cratère. Ils sont sur la Lune, ils nous observent. » Dave, we read all of that. We are getting a beautiful picture now. We're going to try to wind up with the tripod in the shade, if that's possible, looking back towards the limb. Yeah, that's possible. We'll do that. D'après certaines de ces images officielles, on pourrait alors admettre la théorie de l'existence d'une, voire plusieurs, civilisations venues de systèmes solaires différents sur la Lune et donc à proximité de notre planète. A priori, ces images auraient échappé à la vigilance de l'agence spatiale américaine à l'intérieur de ces structures, qui pourtant auraient été protégées et dissimulées pendant des décennies. Si ces documents sont bien réels, alors pourquoi l'agence spatiale américaine continue à garder ces documents confidentiels sur la réalité d'une forme de vie intelligente venue d'ailleurs, évoluant dans notre système solaire et dans notre espace aérien? Les États-Unis, la Russie et la Chine, dans les années 60, auraient découvert quelque chose d'autre sur la Lune. Et sur des milliers de photos prises sur la Lune, seulement un très faible pourcentage aurait été publié au public. Dépenser 30 milliards de dollars sur l'ensemble des missions Apollo, pour prendre quelques photos et rapporter plusieurs centaines de kilos de roches lunaires, ou même encore de battre d'autres nations à la course à la Lune, est-ce vraiment la vérité? En 1972, lors de la mission Apollo 17 dans la vallée de Taurus-Littrow, la NASA, qui était déjà au courant d'une activité extraterrestre sur la Lune, aurait ordonné aux astronautes de récupérer des artefacts d'origine inconnue. Selon certaines images de l'époque, malgré la qualité médiocre des années 60, en prenant également en compte les paramètres de distance entre la capsule et le sol lunaire, il existerait des structures gigantesques sur la surface de la Lune avec d'étranges lumières dans de multiples cratères. Ces images laissent donc supposer à des constructions inconnues sur la Lune. Pourtant, d'après l'agence spatiale, la Lune serait un astre désertique, alors qu'en fait, la vérité est cachée au monde entier depuis très longtemps. Des images existent également capturées par une sonde chinoise dont la source indique que ces documents sont authentiques et démontrent une fois de plus la dissimulation par les administrations
que d'autres civilisations venues de l'extérieur de notre système solaire existeraient bien. Alors, l'émission Apollo aurait-elle été observée par une conscience non terrestre ? Ici, on voit passer un objet volant inconnu à proximité de la capsule et la caméra du module fait volte-face afin de suivre cet objet. Les astronautes des missions Apollo étaient au courant de l'existence d'ovnis autour de la Lune. Un ovni de forme triangulaire fait son apparition et se déplace près du LEM en décembre 1972 lors de la mission d'Apollo 17. Cette image officielle de la NASA prise par Eugene Cernan sur le site d'Alunissage prouve que des objets volants inconnus se déplacent autour de la Lune, mais également dans notre atmosphère. La rumeur d'une Lune qui serait habitée par d'autres civilisations extérieures à notre système solaire serait-elle vérifiée par ces images, ou toutes ces photos ne seraient qu'une illusion d'optique ? Selon le livre de la NASA, des missions 8, 10 et 11, on peut y voir, malgré la modification de certaines images, des emplacements de bases lunaires avec ses installations et ses dispositifs énergétiques. Le docteur Ken Johnston, qui a été l'un des 5 pilotes d'essai affectés à travailler avec les astronautes pendant le programme des missions Apollo, a également travaillé pour le laboratoire de réception des matériaux lunaires de la NASA, mais aussi responsable des collectes de données et du contrôle des photos. Cet ancien employé licencié par l'agence spatiale américaine affirme qu'il y a des bases d'origine inconnue sur la Lune, mais également des structures artificielles, des pyramides et de mystérieuses lumières comme si elles provenaient de l'intérieur de la Lune, ce qui semble prouver que le satellite de la Terre serait habité par une voire plusieurs civilisations. Le docteur Ken Johnston affirme également que des forces obscures en collaboration avec l'agence spatiale effacent et retouchent systématiquement les preuves photographiques d'une présence extraterrestre très proche de la Terre. Rejetant le terme de lanceur d'alerte, le docteur Ken Johnston dit que tout ce qu'il a fait a été de fournir au public des informations de première main qu'il mérite de connaître. Lorsqu'il a perdu son emploi, il avait parlé d'artefacts photographiés sur la Lune, et bien qu'il ait 81 ans, son enthousiasme à parler de l'espace, de Mars, des extraterrestres, il a beaucoup à partager sur la mission Apollo et sur des civilisations de mondes extérieurs à notre système solaire établies sur la Lune depuis très longtemps. Voici quelques déclarations de Ken Johnston lors d'une interview du News Indiana Express. En 1958, nous avons découvert la preuve qu'Eisenhower avait rencontré des extraterrestres. Il y a tellement de preuves non seulement pour prouver qu'il y a d'autres civilisations extrasolaires, mais aussi qu'ils ont un impact sur cette planète. Nous étions une équipe de 4 personnes et notre travail consistait à tester le module de mission lunaire dans les chambres à vide pour nous assurer que le système pouvait être emmené dans l'espace en toute sécurité. Que pensez-vous de la controverse d'alunissage sur la Lune truquée ? Les dernières images satellites montrent les mêmes empreintes lunaires. Comment avez-vous réussi à obtenir des informations de première main sur les extraterrestres ? Une fois que nous avons terminé les 3 premières missions, j'ai été chargé de photographier et de documenter leur emplacement exact. Un jour, mon patron m'a ordonné de détruire ces images. Ils devaient être rendus publics. Ce à quoi il a répondu, non, débarrassez-vous-en, je me fiche de ce que vous pensez. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments dans les images qui étaient inexplicables. Vous pouvez également voir les anomalies lunaires, on dirait que quelque chose a été taché. Bien avant Photoshop, il peignait des choses. Quand je suis entré dans le laboratoire photo, j'ai vu une femme peindre quelque chose. Et a déclaré qu'elle était payée pour ça. Cela m'a vraiment bouleversé, car j'étais chargé de garder une trace de toutes ces preuves.
Il y a 50 ans, le Saturn V nous a propulsés tous les trois sur la Lune. Nous avons alluni, exploré, nous sommes retournés dans le module. Et puis nous sommes revenus. Et depuis 50 ans, il n'y a pas eu de progrès. Je pense que nous devrions tous avoir un peu honte de ne pas pouvoir faire mieux que ça. Les documents en possession de la NASA sont contrôlés afin d'éviter qu'ils soient rendus publics. Après son licenciement, Ken Johnston a refusé de permettre à la NASA de le censurer et a décidé de rendre public son discours et de parler de ce que la NASA cache délibérément au public. Le docteur Johnston décrit quand il était en poste avoir vu des ovnis et bases extraterrestres sur la Lune qu'il devait analyser. Il insiste sur le fait que dans beaucoup de cratères, il existe des constructions et des pyramides que l'agence spatiale ne divulguera jamais. D'autres clichés d'OVNI existent et ont été également capturés par les astronautes. Pour Ken Johnston, cela ne fait pas de doute, le programme des missions Apollo ont été arrêtés pour cette raison, et les images révélées par le Dr Johnston démontrent parfaitement des structures qui ressemblent à des forteresses, mais il n'est pas le seul employé de la NASA à avoir parlé de structures artificielles existant sur la Lune. L'ancien pilote de la CIA, John Lear, qui avait donné une interview concernant des renseignements sur ce qui s'est passé sur la Lune, était resté en contact avec des personnes qui travaillaient dans des programmes et a obtenu des informations top secrètes qu'il n'était pas censé connaître, comme des images et des détails sur des emplacements supposés de bases extraterrestres très peuplées de races différentes vivant sur la Lune. Il y aurait également des installations souterraines avec des laboratoires où des expériences génétiques seraient effectuées. Selon les renseignements de John Lear en 1953 lors d'un crash d'OVNI, un extraterrestre vivant a été capturé qui par la suite aurait aidé le gouvernement américain à construire des vaisseaux spatiaux par des technologies qui ne seraient pas de ce monde. D'après les informations de John Lear, depuis les années 60, des programmes secrets auraient été établis sur la planète Mars, des personnes sélectionnées et préparées à ces missions, avec l'aide de civilisations venues de différents systèmes solaires, où plusieurs centaines de millions d'individus habiteraient dans les sous-sols de la planète Mars. Le père de John Lear travaillait dans les années 50 sur des programmes de propulsion antigravitationnelle restés encore secrets aujourd'hui, et que tout ce que nous savons sur la Lune est un mensonge, avec comme objectif de cacher au public des activités extraterrestres. La gravité sur la Lune existe, contrairement à ce qu'on nous fait croire, et serait de 66% de celle de la Terre. On nous a caché également qu'il y a beaucoup de planètes, comme la nôtre, dans notre galaxie. Les programmes de recherche rendus publics découvrent aujourd'hui, grâce aux observatoires spatiaux comme Kepler et le nouveau James Webb, au 9 décembre 2022, 5277 exoplanètes ont été confirmées dans 3908 systèmes planétaires, dont 826 systèmes planétaires multiples. Donc cela laisse supposer à un énorme potentiel. John Lear, décédé en mars 2022, avait déclaré qu'il ne pouvait pas prouver ce qu'il disait sous peine de mort, ni montrer les vaisseaux spatiaux qui sont là-bas en ce moment. Le gouvernement américain injecte des milliards de dollars dans des programmes spatiaux et des recherches scientifiques de haute technologie. Mais Neil Armstrong, ancien astronaute de la mission Apollo 11, décédé en 2012, dans un hôpital dans des circonstances très étranges, avait déclaré que des civilisations venues d'un autre système solaire ont des bases sur la Lune dont la plupart seraient sur la face cachée. Plusieurs chercheurs qui essayent de dire la vérité sont morts également de façon étrange, mais petit à petit, grâce aux lanceurs d'alerte, nous connaîtrons un jour la vérité, car la vérité dépasse la fiction. Milton Cooper, un agent du renseignement décédé en 2001, avait divulgué que le service de renseignement connaissait l'existence d'une base extraterrestre nommée Luna, qui serait située sur la face cachée de la Lune. Cette base a été également vue et enregistrée par les astronautes des missions Apollo. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all, but there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all.
You're convinced that we're not alone in the universe? Oh, I know for sure we're not alone in the universe. Now, have we been able to identify for sure where the other planets are? No, we have not. Certainly not in our solar system. But they've identified quite a number of planets now that very likely could be life-bearing planets. And I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute. Well, this is big. All of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry, you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me... Well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I've heard, like, crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announced to me that we've been visited by aliens from other planets, and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. So you believe the whole deal? There's more nonsense out there about this than there is real knowledge, but it is a real phenomenon, and there's quite a few of us. It's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so, but slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. I happen to have grown up in whether you know this place, Roswell, New Mexico, where presumably the Roswell incident of 1947 took place, and I'm quite knowledgeable of the lore there, and since I grew up there. But I've also been in military circles and intelligence circles that knows beneath the surface of what has been public knowledge, but yet.
talking about this and also going public with it, are you worried for your own safety with this kind of stuff, or are you convinced that the conflict... No, I think those days are gone. That used to be a concern among the people on the inside, but I don't think they're knocking anybody off for that anymore, or doing drastic things to them. What do you think the intent of the aliens is? Is it hostile or peaceful? No. It's not hostile. It's pretty obvious that if it were hostile, we'd have been gone by now. Really? I mean, what? We could have been. Wow. We had no defense, if that's what their real intent was. And what are we talking, what do they look like? Are we talking like, you know, the traditional sort of... You've seen some of the pictures that I know of, some of them are these little people with strange, that look strange to us. As far as I know from my contacts that have had contact, that's pretty accurate. Wow. Do you think other people who were involved in the moon landings know about this? Some of them do. But again, it's like other people, if you're interested enough to dig into it and want to know about it, you can know about it. Because, man, listen, I know you're a busy guy and I know there's other people who need to... Yeah, this phone, they're not leaving me alone with this other phone that's ringing all the time. I'm by myself. This has been easily one of the most significant conversations of my life. Unbelievable. I want to thank you for joining us. You bet. Lorsque le vaisseau Soyouz s'est amarré à la station spatiale orbitale en 2014, Samantha Cristoforetti, astronaute italienne, pendant la manœuvre d'arrimage, poussa un cri d'étonnement et de peur. Le commandant russe a calmé la jeune astronaute qui n'était pas préparée à ce genre de choses. Ces enregistrements n'ont pas été divulgués par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, mais voici les explications de Samantha Cristoforetti. Les énormes panneaux solaires ont été inondés d'un flamboiement de lumière orange vive inconnue. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'exclamer, que vous pouvez probablement entendre dans les enregistrements de notre approche d'amarrage, car à ce moment-là, nous étions branchés avec le contrôleur de mission. Anton, le commandant russe, m'a recentré sur la mission et j'ai donc essayé de contenir mon émotion afin de revenir à la surveillance d'amarrage. Peu après, la lueur orange avait disparu. Lors de la mission Apollo 11, Michael Collins, l'astronaute qui était resté en orbite dans la capsule, pendant que Buzz Aldrin et Neil Armstrong étaient les premiers hommes à marcher sur la Lune, Michael Collins a dit une phrase très étonnante, « Le Père Noël existe ». Supposé très probablement, selon la vision depuis sa capsule, des bases lunaires éclairées sur la face cachée de la Lune. Mais rien de plus n'a été entendu par la suite car les communications étaient contrôlées et auraient été censurées par la NASA. Le Français Maurice Chatelain, ancien chef des communications de la NASA,
lors d'une ancienne émission de Bernard Pivot, a confirmé que Neil Armstrong a vu des ovnis sur la Lune et que ces rencontres étaient de notoriété publique à la NASA, mais que les employés étaient tenus au secret. Alors vous qui êtes, je rappelle, vous avez travaillé à Fusée Apollo, oui. Alors là, très nettement dans votre livre, vous dites, vous croyez aux extraterrestres. Ah, il n'y a pas de question. Bon, alors, je ne le dis pas explicitement dans ce livre, mais j'ai l'intention de continuer. Alors, non seulement vous... Tous les vols Mercury, Gemini, Apollo ont été suivis. Oui. Et, ont été suivis par qui? Par des soucoupes volantes. Et comment vous le savez? Ah ben, je le sais parce que j'étais dans le milieu. Et d'ailleurs, c'est quand mais on comment on l'a su? Bon, mais quand on écoutait les transmissions radio qui étaient coupées à chaque instant, à tout instant, on ordonnait aux astronautes de changer de fréquence de façon à ce que personne n'entende ce qu'ils racontaient. Non, mais dans le milieu de la NASA, on sait que... C'est une vérité établie? C'est une vérité absolument établie. C'est-à-dire que vous avez déduit des temps de silence qui se sont... Non, mais les gars, quand ils revenaient, ils n'avaient pas le droit de parler à l'extérieur, mais ils parlaient entre eux. Alors, Maurice Chatelain, c'est absolument établi. Vous parlez, vous, pas seulement de soucoupes volantes, vous parlez de soucoupes plongeantes. Ah, ça, c'est, alors... Oui, alors ça, c'est effrayant. À mon avis, c'est la partie la plus effrayante, parce que les soucoupes plongeantes, il est impossible de savoir combien il y en a sur la Terre. Il est très possible qu'elles soient là depuis longtemps et qu'on n'en sache absolument rien. Des scientifiques soviétiques étaient les premiers à confirmer ces observations. Le docteur Vladimir Azadgara, physicien et professeur de mathématiques à l'université de Moscou, a confirmé que la rencontre a été signalée directement après l'alunissage du module. Le centre de contrôle a été informé par les astronautes que de grands vaisseaux spatiaux s'étaient posés à proximité du module juste après l'alunissage et que ce message a été immédiatement censuré par la NASA. Un savant soviétique, le docteur Alexandre Kazantsev, confirme que l'astronaute Buzz Aldrin aurait pris des films de ces ovnis en couleur à partir de l'intérieur du module et a continué à les filmer pendant la sortie du module. La NASA est un organisme civil qui est contrôlé par l'armée et financé par le budget de la défense, dont les astronautes sont soumis à la réglementation militaire. La NSA, National Security Agency, contrôle et censure les films, les photos et les communications des missions Apollo. Les astronautes avaient des prérogatives sur les discussions par radio et des règles strictes à respecter lors de leurs observations. Lors d'une interview, Neil Armstrong a confirmé par ces mots « C'était incroyable, mais nous savions que c'était possible, puisque les administrations avaient été prévenues par une civilisation venue d'un autre monde, que plusieurs bases lunaires étaient installées. » À cette période, la NSA et la CIA étaient dans la dissimulation afin d'éviter une panique sur la Terre. Pendant la conférence de presse de 1969, les astronautes interrogés ont l'air mal à l'aise, choqués, et décontenancé de ce qu'ils auraient vu sur la Lune, et bien entendu, il fut obligé de garder le secret. Pour terminer, le 20 juillet 1994, Neil Armstrong fait un discours à la Maison Blanche, s'adressant à un groupe d'étudiants des meilleures écoles des États-Unis sur l'historique de la course à la Lune, en mettant en lumière des propos à qui veut l'entendre. Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say, we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Those challenges are yours. In many fields, not the least of which is space, because there lies human destiny. Que voulait dire Armstrong par cette phrase codée? Son angoisse ressentie par ses proches de garder au fond de lui un tel secret a dû être difficile, mais plus encore par les menaces de mort qui ont pesé sur lui toute sa vie sur les secrets lunaires. On comprend mieux alors pourquoi le mutisme de beaucoup de personnes impliquées dans cette vérité n'est pas prête d'être divulgué au public.
21 avril 2022, plus de 300 observations ont été enregistrées sur le continent américain, du Chili au Canada, où plusieurs dizaines de vidéos amateurs témoignent de la présence d'un ovni en forme de cylindre qui aurait traversé le continent américain. Le même jour, c'est-à-dire le 21 avril 2022, un direct via un signal en streaming est diffusé depuis la NASA, où à partir de l'ISS, l'objet cylindrique est enregistré à la hauteur de la péninsule du Sinaï en Égypte. Alors, les pyramides d'Égypte auraient-elles un lien avec cet objet aux dimensions hors normes? Et la grande pyramide d'Égypte aurait-elle livré tous ses secrets? Ou est-ce un hasard? A priori, cet objet cylindrique de taille colossale apparaît de temps à autre depuis des décennies à plusieurs témoins qui ont pu capturer cet objet du sol, mais également depuis l'espace. Cet objet d'une technologie très avancée et probablement d'origine non humaine a très certainement bien voulu se montrer entre avril et mai 2022. Dans un déplacement très lent, avec sa forme allongée très caractéristique et lumineux, il est accompagné d'un objet plus petit qui le suit. Le 2 mai 2022, des images du même objet ont été enregistrées autour de la planète par la Station Spatiale Internationale. Au mois de mai 2021, les observations de cet objet ont été également filmées aux États-Unis. Alors, dans les États du Minnesota le 16 mai 2021, celui du Montana le 18 mai 2021 et Washington le 25 mai 2021. Le 6 janvier 2022, l'objet a été observé en Argentine. Cet objet a été également enregistré en avril 2022 par un astronome qui, avec un télescope, a réalisé une image nette et spectaculaire qui traversait le ciel du Chili. Il a été trouvé dans l'élaboration de cet enregistrement l'objet plus petit, comme le cas rapporté aux États-Unis et au Canada. Étrangement, les observations de cet objet cylindrique se sont multipliées depuis le début des hostilités entre l'Ukraine et la Russie. Mais l'une des observations les plus surprenantes du cylindre s'est produite le 7, 8 et 9 novembre 2020, où l'objet se trouvait simultanément à proximité du volcan Popocatépetl et celui de Fuego de Colima au Mexique, donc peut-être deux objets similaires. Ce cylindre avait déjà été filmé par des scientifiques russes en 1989, aux abords du volcan, où l'objet a fini par entrer à l'intérieur du volcan. Les premiers antécédents de cet objet cylindrique évoluant dans l'espace pourraient remonter à mars 1989, lorsque des images ont été capturées par une sonde de la NASA autour de la planète Mars. La présence de cet objet cylindrique dans l'espace avait été révélée par Marina Popovic, ancienne cosmonaute russe, en novembre 2017. Grâce aux documents déclassifiés de la CIA, Marina Popovic détaille l'enquête avec ce cliché du satellite naturel de Mars, Phobos, pour une dimension d'environ 25 km, avec cette mission spatiale russe en mai 1991, où on peut distinguer le fameux objet cylindrique. La Station spatiale internationale a enregistré à deux reprises des images d'un objet inconnu en forme de cylindre, le 21 avril et le 2 mai 2022, se déplaçant dans l'espace à proximité de la Terre. Y a-t-il de la vie sur Mars? C'est une question qui obsède l'humanité depuis des décennies. La sonde Curiosity a révélé beaucoup d'objets sur Mars qui ressemblent à des sculptures et artefacts fabriqués peut-être par une ancienne civilisation. Alors, si une ancienne civilisation a bien existé sur la planète rouge, qu'est-ce qui leur est arrivé? Aurait-on à terme le même destin sur la Terre? Et dans ce cas, l'humanité doit-elle aller sur Mars pour subsister? Une mission sur Mars est prévue par la NASA conjointement avec SpaceX, dans les 2 à 3 ans à venir, avec 5 astronautes pour 5 mois de voyage. Cette expédition n'est pas sans risque car de multiples catastrophes pourraient se produire, et Mars serait la première étape d'un programme d'exploration spatiale, car les humains sont des explorateurs, nos ancêtres ont exploré les océans, mais à l'époque où nous vivons, il est temps pour l'humanité de passer à la conquête spatiale. Selon des informations d'un ancien agent de la CIA, le premier vol vers Mars aurait eu lieu en 1966 lors d'un programme spatial top secret. Toujours selon ses révélations, car il était en relation avec Bob Lazar,
il existerait sur la planète Mars des bases souterraines avec quelques colonies humaines et extraterrestres. Est-ce que la NASA et la communauté scientifique révèlent vraiment ce qu'ils savent? Pourquoi Buzz Aldrin, âgé de 89 ans, nous alerte pour migrer vers la planète Mars? Est-il au courant d'informations qu'il ne peut révéler? Fin mars 2019, le vice-président américain Mike Pence a déclaré que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de la course à l'espace avec un projet américain, celui de retourner sur la Lune en 2024. Selon le Washington Post, dont Buzz Aldrin, l'ancien astronaute, a soutenu l'appel, Mars doit devenir l'objectif principal et mobiliser le Congrès pour la création de ce programme avec des missions habitées vers la planète rouge, avec un retour international durable sur la Lune et une trajectoire directe vers Mars pour une grande migration vers la planète rouge. D'après Buzz Aldrin, une mission interplanétaire unifiée vers Mars semble très probable bien plus tôt que le suggère la NASA et estimée pour environ 2033. Cette planète est très différente de celle de la Terre et assez hostile, avec 38% de gravité de celui de la Terre et des fluctuations de température extrêmes. À l'équateur, il peut faire en journée une vingtaine de degrés, mais ça peut descendre à moins 73 la nuit. Une radiation plus forte avec des tempêtes de sable. L'atmosphère y est très fine, avec de la lumière naturelle filtrée sur la planète. Et une journée dure 24 heures, comme sur Terre. Les colonisateurs pourront y faire pousser de la nourriture à l'aide de serres. L'agriculture serait donc possible sur la planète rouge. C'est pour toutes ces raisons que Mars serait la seule planète possible habitable de notre système solaire. Des expérimentations d'agriculture avec les mêmes composants que celles de la planète Mars a été testées ces dernières années avec des milliers de graines de pousses, de légumes, et toutes les graines ont germé. Biosphériser la planète Mars est un enjeu capital pour l'avenir de l'humanité, mais bien évidemment tout cela va prendre du temps. Des programmes clandestins avec des budgets secrets pour les missions vers la planète Mars ont eu lieu dans les années 60 et se poursuivent encore aujourd'hui. Selon des études de recherche d'énergie alternative dans des programmes spatiaux secrets avec des preuves antérieures de civilisation, le piratage informatique de certaines personnes vers des ordinateurs militaires et gouvernementaux ont révélé que ces missions n'étaient pas des affabulations, mais de ce qui se passe réellement dans l'espace. Certains budgets noirs ont été traités en détail en ce qui concerne les programmes spatiaux secrets. Les commentaires de Buzz Aldrin sont très importants et révèlent que l'humanité doit s'étendre dans l'espace pour sa survie. Alors Buzz Aldrin, c'est-il quelque chose qu'il ne peut pas révéler au public? Étrangement, la députée Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré que nous n'avions plus qu'une dizaine d'années pour réparer notre planète avant une fin du monde inévitable. Devrions-nous également ignorer les recherches et les informations alternatives que suggèrent le gouvernement, la NASA et Buzz Aldrin? Et selon certaines informations de ces administrations, est-il possible alors que ce que nous savons de ce qui se passe dans l'espace autour de notre planète est bien en dessous de la réalité? Buzz Aldrin avec Ken Johnston, les deux anciens employés de la NASA, seraient-ils en train doucement de nous alerter? Ces informations et documents tenus au secret sont connus depuis longtemps, mais n'ont jamais été confirmés de manière officielle, mais il semblerait qu'un début de divulgation contrôlée est en cours. La vérité nous sera-t-elle dévoilée un jour, ou devrions-nous nous tourner vers les lanceurs d'alerte et ufologues? Un ancien militaire des programmes spatiaux top secrets de l'armée américaine affirme qu'il existe une branche secrète nommée la Force de défense martienne depuis 1976, mais qui officiellement n'existe pas. Selon certaines informations de la CIA et d'autres dénonciateurs comme Michael Relf, ancien militaire des programmes spatiaux top secrets de l'armée américaine, affirme avoir travaillé à partir de 1976 pour un programme qui officiellement n'existe pas, la Force de défense martienne, est mise en page dans un livre nommé The Mars Record en 2000 et qui parle des archives de Mars. Ce programme spatial secret aurait une avancée technologique de plusieurs siècles d'avance dont le public est maintenu dans l'ignorance.
La plupart de ces dénonciateurs, anciens militaires, auraient été sélectionnés depuis leur enfance par l'armée et envoyés sur la planète Mars pendant 20 ans. D'après leur récit, une technologie opérationnelle de voyage dans le temps existerait afin de ramener certains militaires à leur point de départ en effaçant leur mémoire et de garder les bases martiennes secrètes, qu'elles soient accessibles uniquement aux membres, aux militaires accrédités et à certains scientifiques du département de la défense des États-Unis. Bien évidemment, aucune preuve de tout cela existe, mais si ces programmes secrets existent réellement, ils sont nécessairement cachés au public, mais également aux membres du Congrès, hormis les militaires ayant accès aux archives technologiques et scientifiques secrets du département de la défense, qui pourraient prouver leur existence, et la liste des personnes ayant participé à ces programmes secrets nommés Black Project. Ce programme dans son ensemble n'aurait pu être possible sans une technologie extraterrestre de contrôle mental. L'alerte de Michael Ralph par une lettre ouverte aux nations du monde indique que d'avoir caché l'existence de prédateurs extraterrestres au public a été une grave erreur qui pourrait mettre en péril l'avenir de l'humanité. En effet, une bataille face à des races prédatrices munies d'une technologie supérieure à plusieurs milliers d'années ne peut être gagnée par la seule puissance des technologies militaires. En sachant que ces espèces possèdent des portails interdimensionnels et des technologies de contrôle mental, afin que n'importe quel chef de gouvernement puisse être enlevé et contrôlé. Un ancien ingénieur au service de l'armée au sein de la base Dulles, au Nouveau-Mexique, dans les années 70, avait affirmé que la technologie secrète progressait à un rythme de 44 ans pour chaque période d'un an depuis 70 ans. Les révélations surprenantes de la première astronaute britannique des années 90, publiée le 4 février 2023. Un ancien responsable du Pentagone évoque des preuves très convaincantes de l'existence de vie extraterrestre sur notre planète et d'observations étonnantes d'OVNI. Dans un entretien accordé aux médias The Guardian, Helen Sharman, première femme britannique à être partie en direction de l'espace au début des années 90, partage sa conviction de l'existence de formes de vie extraterrestres. Première femme britannique à être partie explorer l'espace il y a un peu plus de 30 ans, lors de son passage de quelques jours au cœur de la station soviétique Mir en 1991, Helen Sharman, aujourd'hui âgée de 61 ans, est convaincue de l'existence de la vie extraterrestre, comme elle l'a confié début 2020 aux médias britanniques The Guardian. D'après elle, il se pourrait que des formes de vie issues d'autres planètes soient présentes sur notre Terre. Les extraterrestres existent, il n'y a aucun doute là-dessus, juge l'ancien astronaute. Il y a tellement de milliards d'étoiles dans l'univers qu'il doit y avoir toutes sortes de formes de vie intelligentes et différentes. Sont-ils, comme vous et moi, composés de carbone et d'azote? Peut-être pas, poursuit-elle, avant d'aller plus loin. Il est possible qu'ils soient ici en ce moment et que nous ne puissions tout simplement pas les voir. Partie visiter l'orbite terrestre 8 jours durant en tant que chercheuse à l'âge de 27 ans, Helen Sharman n'est pas la seule à croire en la vie extraterrestre. Dans un entretien aux médias américains CNN, un ancien responsable du Pentagone ayant dirigé un programme gouvernemental secret à la recherche d'ovnis potentiels a révélé en 2017 être persuadé que des formes de vie extraterrestres sont déjà arrivées jusqu'ici.
Ma conviction personnelle est qu'il existe des preuves très convaincantes que nous ne sommes pas seuls, avait ainsi déclaré Luis Elizondo. L'ancien responsable évoquait alors des observations étonnantes d'OVNI réalisées dans le cadre de ses recherches. Ces avions, nous les appellerons des avions, présentant des caractéristiques qui ne figurent actuellement pas dans l'inventaire américain ni dans aucun inventaire étranger dont nous ayons connaissance. Plus récemment, c'est le patron de la NASA, Bill Nelson, qui a avoué qu'il était fort probable, voire préférable, que la vie extraterrestre existe. Après des échanges avec des pilotes ayant vécu des rencontres de ce type, il affirme qu'ils savent qu'ils ont vu quelque chose et leurs radars se sont bloqués dessus. Mais ils ne savent pas ce que c'est et on ne sait pas ce que c'est. Nous espérons simplement que ce n'est pas un adversaire, ici sur Terre, qui a cette technologie.